Donc, je suis Adriana Lacerda, je vous présente aussi Elodie Tremblay, l'étudiante en audiologie, qui est assistante de recherche dans notre labo. Donc, la présentation a été préparée pour notre équipe de recherche et voici les plans que on vous propose aujourd'hui. Donc, on va parler de la surdité et ses impacts. Pour la personne malentendante, mais aussi pour les proches, ou l'entourage. Ensuite, on va vous présenter quelques stratégies de communication. On va visionner aussi des capsules vidéo sur des mises en situation. Ensuite, on passe pour l'apresentation d'un livret illustré que on a préparé dans notre labo. E, finalement, on a la période de questão. Sans plus tarder, je commence a parler sur la surdité e ses impacts. Saviez-vous que la surdité affecte un grand nombre de personnes e aussi elle peut causer des impacts, pas seulement au niveau auditif, mais aussi au niveau psychosocial e emocional. On va vous parler aujourd'hui sur ce thème. Donc, voici quelques statistiques concernant la perte auditive. Par exemple, chez les personnes 65 ans ou plus, la perte auditive affecte une personne sur trois. Chez les 65 ans ou plus, la perte auditive affecte une personne sur deux. Et vers 80 ou plus, on passe à environ 8 personnes sur 10. C'est beaucoup. Et dans les résidences de personnes, pour personnes aînées, le taux de prévalence est supérieur à 80%. Ça fait beaucoup de personnes aussi qui peuvent présenter des problèmes de communication à cause de la surdité. Pour la population de personnes âgées, on parle généralement de presbyacousie, qui c'est la perte d'audition liée au vieillissement normal de l'oreille. Et vous savez que la perte auditive est un problème invisible. Vous savez pourquoi? Parce que la perte auditive apparaît de façon progressive et généralement aussi à différents degrés. Ça fait en sorte que la personne elle-même ne se rende compte qu'elle a un problème ou une difficulté à entendre. Et c'est souvent c'est les personnes de l'entourage qui sont les premières à réaliser que l'aîné éprouve des difficultés d'audition. On sait aussi que la perte auditive peut causer des impacts au niveau auditif. Par exemple, quand on a une perte auditive, on a une diminution de notre capacité à entendre. Une personne malentendante, par exemple, va entendre les sons moins forts. Il y a donc une diminution de l'intensité. Donc, le volume va être plus bas. Donc, la presbyacousie aussi, elle peut causer une perte de clarté du son. Donc, il y a la diminution de clarté. C'est comme les personnes marmonnent dans nos oreilles. Ces éléments font en sorte que la conversation devient de plus en plus difficile parce que certaines parties du message sont manquantes. Et les personnes doivent donc compenser les trous pour essayer de comprendre les messages au complet. Et ça demande beaucoup d'efforts auditifs et peut causer la fatigue aussi. Il y a aussi les incapacités liées au niveau psychosocial et émotionnel, parce que la perte auditive peut également avoir des impacts à ce niveau-là.
Par exemple, une personne malentendante peut ressentir des frustrations de ne pas pouvoir comprendre ou de souvent demander de répéter la phrase ou manquer quelques parties do mensagem. Elle peut avoir tendance à fuir les situations difficiles. Ça peut causer isolement social, tristesse e depressão, problema de saúde mental e física. E la fadiga peut aussi être liée à difficulté de entendre e peut causer de tensão dans l'entourage, par exemple, tensão dans la famille, ou avec les proches, ou avec les couples. De plus, des études démontrent que existe uma correlação entre o problema auditivo não tratado e o declínio cognitivo. Isso significa que a prevalência de perda auditiva é mais grande se a pessoa atende de um problema cognitivo. Breve, as dificuldades auditivas podem entrainer uma diminuição da qualidade de vida da pessoa malentendente. Elle-même, mais aussi celle de son entourage. Mais quoi faire? Quoi faire? La première chose, c'est vraiment faire évaluer votre audition. Quand vous remarquez que vous faites répéter, par exemple, que vous avez de la difficulté à comprendre la parole, principalement quand il y a du bruit, se você responder parfois de maneira inapropriada, par exemple, ou se você ne comprenez pas bien quando les gens parlent, tout ça são quelques indices que existe um problema auditivo. E se vous avez doute par rapport à votre audition, vous pouvez consulter um audiologista. L'audiologiste, c'est le professionnel de la santé auditive. Et l'audiologiste peut évaluer votre audition et aussi, il peut recommander des interventions personnalisées à votre situation. Donc, c'est vraiment la première personne à aller consulter si vous doutez par rapport à votre audition ou celle de votre entourage. Il y a des solutions, il y a plusieurs solutions que l'audiologiste peut vous proposer. Une des solutions, Elodie va vous parler bientôt, c'est les stratégies de communication. Mais il y a aussi, par exemple, les appareils auditifs ou les implants cochléaires que l'audiologiste peut vous recommander selon votre audition, votre vos besoins. Donc, il y a aussi des aides de suppléance à l'audition, comme par exemple les téléphones amplifiés. Il y a aussi les systèmes d'écoute pour la télé. Et on a aussi des amplificateurs personnels que pourrait vous aider à bien se communiquer. Donc, maintenant, je passe la parole à Elodie. Elle va vous présenter quelques stratégies de communication et après, on revient pour visionner les capsules vidéo. Elodie, c'est à vous. Merci, Adriana. Donc, comme Adriana l'a dit, on va parler des stratégies de communication qui peuvent être appliquées pour améliorer la communication chez les personnes qui ont une perte d'audition. Donc, vous pouvez changer de diapositive. Merci. Donc, d'abord, c'est quoi une stratégie de communication? Les stratégies de communication, c'est l'ensemble des attitudes, des connaissances, des actions et des demandes qui favorisent une communication plus efficace entre une personne qui a des difficultés d'audition et ses interlocuteurs. Bris de communication. On parle de bris de communication lorsqu'une personne ne comprend pas le message qui est délivré.
Donc, pourquoi devons-nous appliquer les stratégies de communication? Mais comme dans la définition qu'on venait de voir, ces stratégies rendent la communication plus efficace. Elles permettent aussi d'avoir une expérience beaucoup plus agréable et elles sont bénéfiques donc pour toutes les personnes impliquées, que vous ayez les difficultés à entendre ou non. Il existe trois types de stratégies de communication, donc les stratégies d'anticipation, les stratégies de réparation et les stratégies de maintien. Nous allons donner quelques exemples pour chacune de ces catégories. Sachez qu'il y en a d'autres, mais qu'on va seulement vous présenter les plus importantes à retenir. Pour les stratégies d'anticipation, donc Adriana, vous pouvez changer. Merci. Donc, ils sont utilisés pour éviter ou minimiser les bris de communication. Elle vise à prévoir les situations qui vont être difficiles et à planifier des solutions ou des réponses à ces situations. Donc, une stratégie partagée par tous, donc dans la section verte sur l'image, c'est avant de parler, la première chose que les personnes qui ont des difficultés auditives et son entourage peuvent faire, c'est de réduire entre autres le bruit ambiant pour éviter que ça interfère avec leur conversation. Donc, par exemple, en éteignant la télévision ou la radio. Il faut aussi bien se positionner pour parler face à face, parce que ça permet au malentendant de lire sur les lèvres et d'utiliser aussi les expressions faciales pour mieux comprendre le message. Également, il est toujours aidant de connaître le sujet de conversation à l'avance parce que vous allez avoir donc en tête le vocabulaire et les expressions souvent utilisées dans ce contexte précis. Alors, les bouts qui vont être manqués vont pouvoir être compensés, pardon, plus facilement. Pour les personnes avec les difficultés auditives, donc dans la section qui est bleue sur l'image, le simple fait d'informer l'autre de cette difficulté permettrait d'éviter des malentendus. Donc ainsi, l'autre saura que si je ne comprends pas, c'est parce que j'ai eu de la difficulté, c'est parce que, pardon, j'ai eu la difficulté à entendre et non parce que je ne suis pas intéressée ou parce que j'ai des problèmes cognitifs. Exprimez également vos besoins à l'avance. Oui, je vais essayer de parler plus fort, désolée. Donc, exprimez également vos besoins à l'avance et faites des demandes pour prévenir des bris de communication. Par exemple, en demandant à l'autre de parler plus clairement, de se placer pour que vous puissiez bien voir son visage, de s'approcher, etc. La meilleure façon d'éviter les bris de communication est de bien se préparer à l'activité. Vous pouvez vous informer sur le sujet de conversation, revoir le vocabulaire et les expressions pertinentes et prévoir qu'on pourrait vous dire ou poser comme question ainsi que vos réponses. Par exemple, donc, si vous devez aller à un rendez-vous médical, il est très probable que le secrétaire va vous demander votre nom, votre carte d'assurance maladie, votre téléphone. Le médecin va également vous poser plusieurs questions sur votre condition, donc vos symptômes, vos médicaments. Alors, il est possible pour vous de vous renseigner sur le déroulement de l'activité et de vous préparer à l'avance. En ayant une meilleure idée de ce qui va être abordé, la compréhension peut être facilitée. Puis, si vous avez des appareils auditifs, bien sûr, portez-les. Pour l'entourage, donc la section en jaune sur l'image, maintenant, assurez-vous d'avoir attiré l'attention de la personne avant de lui parler. Par exemple, en cognant à la porte, en lui tapotant légèrement sur l'épaule ou en appelant par son nom. Il est aussi très important que votre visage soit bien visible pour permettre à la personne de lire sur vos lèvres et de se servir donc de vos expressions faciales pour mieux comprendre. Certaines personnes ont tendance à mettre leurs mains devant la bouche quand elles parlent et il faut éviter. Donc, l'éclairage est aussi joue un rôle important. Assurez-vous que la source lumineuse vient de devant vous et que la pièce donc soit bien éclairée. Enfin, parler clairement, c'est-à-dire donc parler lentement et bien articulé, sans exagérer parce que ça va distorsionner la parole. Donc maintenant, on serait rendu donc aux stratégies de réparation. Et à la prochaine diapo. Merci. J'ai pas la même diapo, Adriana, moi c'est, mais on va faire avec ça. Donc, la seconde catégorie, c'est les stratégies, comme je l'ai dit, qui servent à réparer donc les bris de communication qui surviennent lorsqu'une personne ne comprend pas bien le message. À ce moment-là, vous pouvez commencer par identifier la source du problème pour ensuite trouver la solution appropriée. Donc, il y a quatre sources possibles selon le modèle LIME, donc LIME.
L pour locuteur, donc par exemple quand la personne parle trop vite. I pour interlocuteur, donc par exemple quand la personne malentendante n'a pas entendu, car elle ne portait pas attention. M pour le message. Donc, exemple, quand le message est très long et complexe. Et E pour environnement. Donc, lorsque vous parlez dans une pièce bruyante ou dans une pièce avec un mauvais éclairage. Donc, une fois que vous avez trouvé le problème, utilisez la stratégie de réparation appropriée. Pour les stratégies, donc voici quelques exemples à utiliser lorsqu'il y a un bruit de communication pour les stratégies de réparation, bien sûr. Donc, pour la personne qui a des difficultés auditives, vous pouvez demander de répéter le message au complet ou la section que vous avez manquée. Vous pouvez tout simplement dire ce que vous avez compris pour valider l'information. Pour l'entourage, vous pouvez reformuler le message en utilisant d'autres mots ou en rendant les phrases plus simples et plus courtes. Il est possible aussi que la personne entende mieux certains sons donc par rapport à d'autres. Alors, en changeant les mots, cela donne une autre chance à la personne de vous comprendre. Vous pouvez également utiliser un support visuel comme des gestes naturels et écrire une question sur une feuille aussi ou pointer l'objet en question. C'est plus et puis évidemment donc parler clairement. Les stratégies partagées par les deux parties, ça peut être de réduire le bruit ambiant, s'approcher de l'autre personne et s'assurer de parler face à face. Maintenant, pour les stratégies donc de maintien, ça sert à montrer votre participation active à la conversation. Vous pouvez faire cela en regardant la personne à qui vous parlez, en étant proche de la personne, en ayant des expressions faciales et corporelles qui montrent que vous êtes intéressé. Vous pouvez aussi dire oui ou hocher de la tête pour donner une rétroaction à ce qui a été dit. Puis, évidemment, il est toujours apprécié d'informer les autres de ce qu'ils font de bien. Donc, on vient de voir les stratégies, les bonnes stratégies à mettre en place. On peut aller à la prochaine. Merci. Mais il arrive parfois que les personnes malentendantes ou que leur entourage développent des stratégies qui sont mal adaptées. Ces stratégies sont inefficaces, ils peuvent mener à des malentendus. Donc, par exemple, certaines personnes peuvent avoir ailleurs un problème d'audition, vont souvent prétendre avoir une audition normale ou faire semblant de comprendre. D'autres vont essayer de prendre le monopole de la conversation, car il s'agit du seul moyen de savoir ce qui est dit. Et il y a d'autres personnes qui vont aussi se retirer des conversations. Ces stratégies sont donc à éviter. Puis pour l'entourage, quand on mentionne qu'une personne a des problèmes auditifs, les premiers réflexes sont d'hausser le volume de la voix, de parler très lentement et aussi d'articuler de façon exagérée. Cependant, ces moyens-là ne vont pas aider la personne à mieux comprendre parce que la parole va être distorsionnée. Un autre mauvais réflexe, c'est de parler directement dans l'oreille de la personne. En faisant cela, vous lui privez de la lecture sur les lèvres et les autres indices visuels qui l'aident à mieux comprendre. Évitez aussi de répéter le message mal compris en utilisant les mêmes mots, car il se peut que ce soit des mots qui soient difficiles à percevoir. Il arrive aussi que certains membres de l'entourage vont parler à sa place alors que la personne elle-même est présente ou avoir une attitude négative lorsque la personne n'a pas compris le message, comme en disant laisse faire ou il ou elle comprend seulement quand il veut. Donc, toutes ces stratégies ne sont pas recommandées car elles ne permettent pas de prévenir ni de réparer les bruits de communication et les malentendus qui s'ensuivent. Donc, pour récapituler, voici 6 stratégies essentielles à retenir. Réduire le bruit ambiant, s'approcher de la personne, parler face à face, préciser le sujet de la conversation, parler clairement, lentement et bien articulé sans exagérer, puis reformuler le message ou le simplifier. Donc, c'est important de savoir qu'il est normal d'oublier d'appliquer les stratégies de communication quelquefois. Il ne faut pas se culpabiliser non plus. Donc, je laisse la place à Adriana pour la suite. Merci, Elodie. Maintenant, on passe dans les visionnements des capsules vidéo. Donc, nous avons produit ces capsules pour montrer quelles sont les stratégies que vous pouvez utiliser dans la vie de tous les jours, mais surtout dans une situation de pandémie, dans un contexte de pandémie.
Donc, nous avons réalisé des mini-séries. Sont trois séries de capsules. La première série, sont des capsules informatives concernant l'audition et communication. La deuxième série sont des mises en situation dans un contexte de pandémie. Par exemple, dans les séries, dans la pharmacie, dans une clinique médicale, dans une communication à distance. Et la troisième série aussi sont des mises en situation, surtout avec des communications à distance, par téléphone, par vidéoconférence, etc. Mais aujourd'hui, on va regarder juste une partie. Si vous voulez, on pourrait vous donner l'accès au visionnement des capsules au complet. Donc, on passe tout de suite. Je voudrais vous parler que dans un contexte de pandémie, on a de nouveaux obstacles pour la communication, surtout pour les personnes malentendantes, parce qu'on a, par exemple, les portes de masques, couvre-visage, ou même avec ou sans protection oculaire. On a aussi les périglès et la distanciation physique. Ces trois éléments rendent la communication beaucoup plus difficile pour tout le monde, mais encore plus pour les personnes malentendantes, qui a déjà des difficultés à entendre, parce que quand on utilise la masque, par exemple, on va couper les indices visuels. Donc, on va diminuer, par exemple, la visualisation de la lecture labiale, des expressions faciales. Et ça pourrait aussi diminuer le volume de la parole, la clarté de la parole, qui sont très importants pour bien entendre aussi. Donc, voilà pourquoi que on a décidé de vous présenter aujourd'hui les capsules concernant les mises en situation dans un contexte de pandémie. Aujourd'hui, vous allez voir la première capsule serait des mises en situation sans appliquer les stratégies de communication et la deuxième, on va vous présenter les capsules avec les stratégies de communication. Vous allez voir apparaître aussi des stratégies dans boule bleue et jaune. Quand c'est bleu, c'est une stratégie utilisée par la personne avec difficulté auditive. Et quand c'est jaune, c'est des stratégies utilisées par la personne de l'entourage. Excusez-moi. Excusez-moi. Oui, bonjour, madame. Bonjour. Comment je peux vous aider? Je cherche des graines de pavot, je les trouve pas. Pouvez-vous me dire où est-ce qu'elles sont? Oui, vous allez au bout de la rangée, vous tournez à droite, puis c'est dans la rangée 6. Je n'ai rien compris. C'est dans la rangée 6. OK. La rangée 10. Excusez-moi. Oui. Bonjour, madame. Comment je peux vous aider? Oui, je cherche des graines de pavot et je n'en trouve pas. Pouvez-vous me dire où est-ce que c'est? Oui. Vous allez au bout de la rangée, vous tournez à droite, puis vous allez dans la rangée 6. Excusez-moi, pour la rangée, là, j'ai pas bien saisi la fin de votre phrase. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? C'est dans la sixième rangée. Sixième rangée. La sixième rangée. Oui. OK, merci. Ça fait plaisir. Ah,
OK, on passe dans l'autre série. Bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Bonjour, le médecin m'a prescrit ces médicaments. Ah, d'accord, avez-vous déjà un dossier ici? Si j'ai un quoi? Est-ce que vous avez déjà un dossier dans notre pharmacie? Oui. Parfait, est-ce que je pourrais avoir votre carte d'assurance maladie, s'il vous plaît? Voulez-vous? J'ai pas compris. Ah, carte d'assurance maladie, s'il vous plaît. Ah oui, je l'ai. La voilà. Si. Madame Poirier, je trouve pas votre dossier ici. Ben, c'est ma première fois ici. Ah, OK. D'accord. Tenez votre carte. Vous allez pouvoir aller vous asseoir dans la salle d'attente. On va vous appeler quand ce sera prêt. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Le médecin m'a prescrit ces médicaments. Ah, merci pour la carte. Avez-vous déjà un dossier ici? Pouvez-vous répéter et parler plus clairement? Je n'ai pas saisi ce que vous avez dit. J'ai des difficultés à entendre. Ah, je suis vraiment désolée. J'avais pas remarqué l'autocollant. Je vous demandais si vous aviez déjà un dossier dans notre pharmacie. Non. Non? Parfait. On va vous créer un dossier. C'est bien. Tenez, merci. Votre carte. Merci. Vous allez pouvoir aller vous asseoir dans la salle d'attente. On va vous appeler quand ce sera prêt. Merci. Est-ce qu'une personne pourrait venir me chercher, s'il vous plaît? Aucun problème. On viendra vous chercher. Merci. Ça fait plaisir. C'est beaucoup plus facile quand on peut utiliser les stratégies de communication. Donc, on a plusieurs mises en situation. Si vous voulez, vous pouvez aller voir dans le site web du centre de recherche. Maintenant, on va passer pour réviser quelques stratégies essentielles en temps de pandémie. Donc, la première chose à faire é se preparer à l'activité, informer les autres de vos difficultés à entendre, exprimer ses besoins, réduire le bruit ambiant, se possível, préciser se informer do sujet de la conversation, valider la information comprise e utiliser um support visuel. Voilà! Maintenant, je vous présente bref notre livret. C'est aussi dans un contexte de pandémie. Donc, il s'appelle Pour mieux vivre ensemble avec la perte auditive en contexte de pandémie, mais en tout temps. Vous pouvez télécharger votre copie aussi. Voilà, voici le site web, Elodie va mettre aussi tous les liens pour vous dans la question-réponse. Et dans ce livret, on vous donne l'information des conseils et des stratégies qui s'appliqueront en tout le temps, pas seulement en temps de pandémie, mais aussi pas seulement non plus pour la personne malentendante, mais aussi pour les proches. Donc, ce projet a été financé pour le gouvernement du Canada dans le cadre du programme Nouveau Horizon pour Aimé. Et ici, c'est un sommaire de thèmes couverts dans les guides. Donc, on parle de la peur, de ses impacts. On vous donne aussi des conseils, des stratégies. Et aussi, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'informations, sont 28 pages à peu près, avec beaucoup d'images, peu de textes à lire.
Donc, je vous conseille à visionner les livrets aussi. Voici quelques images parlant du livret. Donc, dans la première image, on voit les messieurs qui ne suivent pas la conversation autour de la table. Elle représente bien les défis de communication de la personne malentendante au quotidien. Par exemple, quand il y a du bruit, quand tout le monde parle en même temps. L'autre image, ça représente aussi avec la illustration du couple devant la télévision. Il représente l'image du défi et aussi l'impact de l'entourage. Parce que la madame et même les chiens trouvent la télé un volume très fort. Mais le monsieur, il a des difficultés à écouter. Donc, c'est vraiment, ça pourrait causer du stress à l'entourage. Mais la troisième image démontre, c'est l'illustration d'un couple, qui c'est une bonne image de communication entre les couples, et c'est pour vous dire que se on utilize de bonnes estratégies, on a de bonnes solutions pour vivre avec et bien avec la perte auditive. Donc, voilà.